Salut les loulous, voilà, aujourd'hui on démarre d'Aix-Noulette. Devinez avec qui je suis? Machicoré. Toujours le même. Toujours le même. Il y a vente sur Vinted hein, pour info, au cas où si vous voulez. Il veut se débarrasser de moi. Moi j'en peux plus. Hein, voilà, petite sortie du côté d'Aix-Noulette, Lorette, tout ça, pour chercher un peu de dénivelé quand même, parce que bon, semblant de rien... Le raid des Jackass arrive ça approche très très vite, donc ouais. Y a pas, il faut se remuer un peu, donc on va essayer. On va essayer déjà. On va essayer, on verra ce que ça donne. Allez, à tout à l'heure sur le bike. Voilà les loups. Bon, on démarre là, ça fait 200 mètres et ça grimpe déjà. Plus l'habitude. Allez, tranquille. Ah, Jaco, il y a ton pote Jaco, Petrolane. Allez là-bas. Et là-bas, Jaco, garde. Allez. Bon, Alex, ouais. On se dit à tout à l'heure. Ouais. Bonne montée. Hein, si tu me vois pas arriver d'ici 10 minutes à quart d'heure, pose-toi des questions quand même. Ouais. Allez. Monter des vaches. Oh là là, ça fait mal. Bien longtemps qu'on l'a pas pris celle-là. Mais y a pas. Il faut. Voilà. On parlait avec Alex que l'année passée j'avais fait une vidéo en totale immersion, c'était juste avant le rock. Et en fait j'avais la caméra embarquée. Et il me rappelait que l'année passée, bah, monter de la vache, tout ça, je la montais avec la caméra à la main en demandant les impressions aux copains, tout ça. Et là réellement je lui ai dit que j'étais incapable de le refaire là maintenant, à l'instant T. Voilà, on est venu faire notre petit tour. Ah, traditionnel, au soucher. Avant la montée de Lorette, un petit moment de fraîcheur, d'apaisement. Tu te souviens ce que tu avais fait avec Damien? Tu étais monté là tout le long. Ça, c'était avant. C'était le bon temps. Montée de Lorette. Bon là, physiquement, je suis incapable de faire ce que je faisais l'année passée pour l'instant. Mon corps n'est plus habitué à ça. On va la faire tranquille. Voilà les loups. Ah bah, putain, j'en ai chié. Hein? C'est plus ce que c'était, hein? Ça pique, hein? Putain, comparé à l'année passée. Waouh! Je sens l'impression les débuts, première sortie où on travaillait le rock. Mais bon, on va aller voir la vue 2 minutes. Un mal pour un bien. Ouais, là je sens les cuissons qui sont, ah, ça bosse. Ils sont tendus.
tendu Natacha. Je suis tendu Natacha. Ah, c'est beau quand même, putain. Rien que pour ça, ça vaut le coup. Ouais, voilà. T'es content de te lever. Rien que pour ça. Puis c'est calme. Et dans tout ce calme, t'as deux guignols qui hurlent de douleur. Grave. Enfin, qui hurle. Qui respire surtout fort. Allez, on va essayer d'aller chercher Vimy. Je dis bien, on va essayer. Toi, j'aime bien, ça descend. Waouh. Là, il fait frisquer quand même. Ah. Ouais, prends la à gauche. Oh là. Vas-y. Bon là. T'es sûr de rien, quoi. On a vu un chemin, c'était sympa. Et là, bon. Bon, on a traversé champ, quoi. C'est pas possible. On veut fuir la boue, mais qu'est-ce qu'on fait? On prend des chemins de champ. Les pneus sont imbibés de boue. Maintenant, on la remonte. Ça fait du bien de la descendre. Ouais. Bon. Je me demande si j'ai pas. T'as quoi cette part d'attaque? Non. J'ai bien aimé au virage. Ah non, j'avais complètement oublié ça. Allez. T'es pas tout droit, tu vois. On la remonte. Ouais, c'est pas la même là. Bon allez loulou là. Vous l'avez eu en descente, mais en montée, vous n'allez pas là-bas. Allez, smoothie, smoothie, smoothie. Bon, je vais vous l'épargner en remontée. C'est pas pareil. Simplement pour vous montrer un peu, on voit souvent Alex devant. Mais en fait, maintenant, j'ai trouvé un peu sa technique. Dès qu'il est fatigué, il dit que son vélo fonctionne pas. Il y a un bruit, tout ça. Il me fait le coup de la panne, c'est ça. Et comme par hasard, coup de la panne. Ah oui, à Vimy. Tiens, lève-le un coup. Et en plus, il me fait bosser. Allez. Ouais, ouais. C'est le disque. Tu frimes trop. Ton disque il est pas volé. Ouais, je crois que le disque après acheteur. Ouais. Chier. Tu Freddie Mercury. Hein? T'as la référence, tu Freddie Mercury. Tu Queen. Attends, j'ai. Non, tu.
Putain, j'essaie de faire des blagues, j'essaie de voilà. Enfin, je sais pas. Le curry, moi, c'est dans le poulet. Freddy, je m'en bats. Freddy, Mercury, curry, ah ouais. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais desserrer l'étrier et puis je vais le Tu vas le desserrer, tu vas le resserrer? Ouais. Ouais. Tu vois quoi? Ouais, je vois quoi? Je vois quoi? Ah, là, là, salut! Là, là. Ça fait longtemps que je l'ai pas bricolé. Bonjour. Bonjour. Comment tu l'as pris? Alors là, vous avez pas vu. Vous avez pas vu là dans la vidéo, j'ai pas filmé, mais. Avec tous les marcheurs qu'on croise, qu'on voit, il y a notre petite chicourée qui attire pas mal de marcheuses, mais comment dire, d'un âge certain, hein, je veux dire, des femmes qui sont retraitées depuis 20 ans, quoi. À peu près, ouais. Mais c'est bien, Alex. Là, on vient... Gauche, ouais, Notre-Dame de Lorette. Oh, tu me dis, allez, viens, puis tout à l'heure il tire, il est pas bien. Bon, voilà, on arrive à Lorette. Dernière étape avant la bière. C'est ce qui me motive. Bon, et puis là, on cherche le D+. Kilométrage, on n'a pas énorme là. Il y a combien? Ouais, on est à 40 km. Un petit 600 de D+. Mais là. Là, en fait, vous allez rien voir, mais. Que tout est aplati avec la GoPro et là ça grimpe et ça grimpe. 5 manches tranquille à 5%, mais bon, 6. Bon, je vais vous reprendre en haut, c'est trop haut. Ça va être trop long pour vous sinon. Bon, on n'avait pas assez de la montée des vaches. On se refait une voie blanche. Ah mais c'est... Du grand n'importe quoi là, je suis mort. Ça sera pas une bière, ça sera deux bières. Voilà, on est sorti de Lorette, la petite bière. Ça fait plaisir. Je mettrai la petite photo. De la bière. Et là, je peux vous dire qu'en descente, on a été bon. Ah ouais, ouais, elle fait plaisir, cette petite binouze. Là, on va se rentrer tranquille. Bon, on en a profité, on a regardé. Et Alex, apparemment, c'est un boîtier de pédalier aussi qui est mort, hein, depuis tout à l'heure. A changé. Solidaire. J'ai changé le mien, il change le sien. T'es sûr? Ça monte là. Pourquoi tu prends où ça monte? Ah là, le petit soleil fait du bien. Ah voilà. On finit tranquillement par le bois d'Aix. Qu'est-ce que c'est appréciable. On a démarré par le bois d'Aix. On finit par le bois d'Aix.
Elle fait plaisir. Ouais, j'ai tout cassé. Il y a tout cassé aujourd'hui. Il y a GPS, le vélo. Rien qui vaut. Il n'y a rien qui vaut. Si, on a retrouvé Laurette. Déjà. On a retrouvé Laurette. La bière. La bière surtout, ouais. La petite bière. La petite bière. Ouais. Donc déjà, voilà, on a retrouvé Laurette, la petite bière. La sortie s'est très bien passée. C'est moi qui a tout cassé. C'est toi qui a tout cassé. Ouais. Non, franchement, une belle petite sortie. On finit 50 km. Ouais, à peu près. Ouais. À peu près. Pour 700. 700, 750 de D+. Donc pour une reprise sur le D+, c'est plutôt pas mal. Mmh. On va continuer à travailler ça, je pense. Hein, de toute façon. Il faut. Il faut. Mais encore une belle petite sortie avec ma petite chicorée. La semaine prochaine, je ne sais pas où on sera. Je pense pas en rando organisé. Je pense qu'on va là en distance. En distance, peut-être, voir. On verra. On verra déjà le temps qu'ils annoncent la semaine prochaine. Déjà. Ouais. Déjà. Et puis, on verra ce qu'on va faire. Mais une très belle sortie, voilà. Comme c'est à chaque fois. C'est ce qu'il faut. Aussi. C'est ce qu'il faut. Sur ce, les loulous, passez une bonne semaine. Et puis, nous, on vous dit à la semaine prochaine. Ciao.